Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo du monsieur qui s'appelle un cyber, un Oyoman, tout ça là qui s'appelle Ado Mouton, qui est en train de nous présenter vraiment le bon boulot de papa Ado, ce qu'il a fait à l'indénier. Parce qu'à l'indénier, avant, s'il pleut, il dit, quand il pleut, les voitures même, il dit, circulation s'arrête là. Parce que l'eau même emportait voiture des gens. Mais papa Ado est venu, quand on vous dit, ce monsieur, ce brave qu'est, on doit le respecter. Oui, on doit le respecter. Parce que ce qu'il est en train de faire pour nous, les Ivoiriens, vraiment, c'est incroyable. Écoutons-le, ce qu'il va dire et ce qu'il va montrer comme preuve. Parce que nous, là, nous on fait des vidéos. Nous on n'est pas là pour dire, m'as-tu vu ou soit je vais faire des vidéos sans avoir les preuves. Non. Quand moi, je fais une vidéo, il y a des images et il y a des vidéos. C'est comme ça. On dit, il faut montrer des preuves pour voir si c'est ce que tu dis, si c'est vraiment vrai. À l'indénier, vous-même, vous connaissez. Ceux qui connaissent vraiment la partie à l'indénier, là, eux-mêmes, ils vont témoigner. Avant et puis maintenant, là. Tiens, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Et j'envoie des gens, ceux qui sont opposants, qui sont agités, qui sont en train de mentir aux Ivoiriens, aux jeunes. Non, Alassane n'est pas bon. Ce qu'Alassane est en train de faire, ce n'est pas bon. Que c'est là, c'est Shintok ou soit ça là, c'est crédit. Mais quand même, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. On doit en profiter. Nous-mêmes, on doit lui dire merci chaque matin. Matin, midi, soir, on doit lui dire merci parce que ce qu'il est en train de faire, même Félix Faure-Boigny, même le père fondateur Félix Faure-Boigny, qui est couché là-bas dans sa tombe, lui-même, où il est là, il veille sur Papa Ado. Il est à côté de Papa Ado parce qu'il a laissé son héritage qui est en train de vraiment enlever la Côte d'Ivoire dans la honte, la Côte d'Ivoire dans la souffrance. C'est grâce à Papa Ado. Aujourd'hui, on est là. Ivoirien peut taper sa poitrine. Ivoirien peut montrer les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. C'est parce que ce gars-là nous donne la force de toujours croire à ses projets. La famille, voici, je vous présente la vidéo de Ado Mouton. Écoutez-le et aussi regardez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as aimé aussi, laissez des commentaires, likez la vidéo et je vous dis. Ah, salut à tous. Bonsoir, je suis là encore. Sortez, sortez. Hé, la famille. La famille. La famille, quand je vous dis le président Ouattara c'est un monument, quand je vous dis le président Ouattara c'est un prophète, quand je vous dis le président Ouattara il a l'amour des Ivoiriens, les gens pensent que je mens. La famille, je suis au rond-point de l'indénier. Quand il pleut, tout le monde sait ce qui s'est passé ici. Aujourd'hui, plus qu'il est venu ici là, plus qu'il est venu ici là, ça pourrait faire partie voiture. Mais comme on a un président modèle, comme on a un président modèle, pour l'amour de Dieu partagé, plus qu'il est venu là, c'est Dieu ce qui connaît. Mais regardez, malgré la pluie, regardez, à l'indénier, regardez, les voitures même là, ils n'ont rien à voir avec la pluie. Au bout de temps, je vous dis que non, tout haut d'Abidjan passe ici. Voici les preuves. Regardez. Regardez la famille, je m'en parle. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez. Toute inondation, c'est ici que ça se passait. Il a plu ici, je te dis, ça peut faire partie voiture. Je vous le jure, ça peut faire partie voiture. Mais malgré il a plu, voici les voitures qui vont dans chez eux. Malgré il a plu, regardez, les voitures vont chez eux. Vous voyez, qui va dire le contraire? Je te dis, plus qui est venu, c'est Dieu ce qui connaît. Je suis sur la pluie, où je suis là, vous parlez, je suis sur la pluie. Je suis sur la pluie, je te parle, champion. Regardez l'eau qu'elle a venue là, regardez, pour l'amour de Dieu, partagez. Regardez. Regardez. L'eau passe en bas, champion. L'eau passe en bas pour aller dans la lagune. Au bout de temps, dans le passé, où les voitures passaient, c'est là-bas l'eau passait. Aujourd'hui, regardez. L'eau passe en bas, malgré il a plu. Je vous ai dit, malgré il a plu. Malgré il a plu, regardez. Regardez ce que le président Ouattara a fait ici. Regardez les voitures là vont d'aller. Regardez la famille, regardez.
Regardez, regardez, regardez. Regardez. Regardez, regardez. 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 Malgré la pluie, hein. Pluie qui est venue ici aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais, j'ai dit, vous allez regretter Ouattara ça. Vous allez le regretter. Regardez, regardez, regardez. Pluie qui est venue ici, là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais, l'indénier n'a plus rien à voir avec la pluie aujourd'hui. L'indénier n'a plus rien à voir avec la pluie, les gars. L'indénier n'a plus rien à voir avec la pluie. C'est le président Ouattara qui vient de faire ce merveille. Eh, la famille. J'ai dit, l'indénier n'a plus rien à voir avec la pluie maintenant. Quand il pleut, tu peux partir chez toi tranquillement. Il est venu à côté de l'eau là pour vous montrer. Eh, la famille. Regardez. J'ai dit, quand il pleut un peu là, ça prend toute la route. Mais aujourd'hui, le président Ouattara fait le merveille ici. Voilà ça. Voilà ça. Je suis venu jusqu'en bas ici. Voilà. Voilà. Plus qui est venu à Bidjan, là, c'est Dieu ce qui connaît. Plus qui est venu là, c'est Dieu ce qui connaît. Regardez. Voilà. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça est, les gars. Voilà. Voilà. L'eau là-bas dans la lagune. Voilà ça. Regardez la famille partager. Les gens vont voir. Qu'est-ce que je dis. Regardez. Quand on vous dit Ouattara, c'est un monument, là, parce que je mens. Le président Ouattara a fait pont ici. Regardez. Qui est là, si tu as un parent à Abidjan, il faut l'appeler pour lui demander s'il ne connaissait pas l'indénier dans le passé. S'il ne connaissait pas l'indénier dans le passé, appelez-les, demandez-les. Appelez-les, vous allez les demander, voilà. Voilà ce que le président Ouattara a fait. Regardez comment les voitures passent. Voilà, les voitures passent. J'ai dit, ils n'ont rien à voir avec l'inondation, les gars. Voilà l'eau là qui est en bas ici. Si c'était dans le passé, voiture ne pourrait plus passer ici quand il pleut. Quand il pleut, je te dis, voiture ne pourrait pas passer. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, le bâtisseur infatigable. Aujourd'hui, malgré il pleut fort, il a plu fort ici. Malgré ça, voilà les voitures qui sont allées chez eux. Si c'était dans le passé, je te dis, si c'était dans le passé, tu es obligé de garer ta voiture pour ne pas que l'eau importe ta voiture. Mais aujourd'hui là, voilà ça, les gens qui sont allés tranquillement chez eux. Regardez comment l'eau est fort ici. Regardez. Le pont où tu vois les voitures sont passées là, c'est récent, ce que tu vois là, c'est récent. C'est Ouattara qui a fait ça, champion. Voilà ça, moi je te mens pas, je te parle le concret. Regardez comment les voitures sont passées. Regardez les gars, les gars. Regardez l'incroyable travail que Ouattara a fait ici. Les gars, voilà ça, malgré la pluie. Malgré la pluie. Eh Dieu, tu sais, je sais. Je ne te mens pas. Je suis venu jusqu'à côté de l'eau là. Voilà. Voilà, malgré la pluie. Malgré la pluie est venue. Nya! Mais ça n'a pas empêché les gens pour aller chez eux. Ça n'a pas empêché les gens pour aller chez eux. Le président Ouattara, c'est un monument, champion. Le président Ouattara, ouais. Il a toujours pensé au futur des gens. Le président Ouattara savait que non, quand il pleut ici, la voiture va partir à être. La pluie va partir avec ta voiture. Le président Ouattara, il savait ça. C'est pourquoi il a fait ça pour toi, champion. Regardez aujourd'hui. Moi, je suis arrêté avant, je devais être dans l'eau. Regardez aujourd'hui. Malgré la pluie. Sangui le nana, Kairi. Sangui mi nana, c'est Dieu ce qui connaît. Regardez, moi, je suis mouillé. Je suis mouillé, champion. Malgré la pluie. Eh, Dieu. Il n'a pas fini de vous montrer. Attends, c'est un monument. Regardez. Comment est-ce que le crocodile va sortir ici, hein? Ah, le crocodile là. Attends. Voilà. Regardez. Champion. Moi, il ne ment pas. Oh. Eh Dieu, ouais. Attends, c'est un monument. Regardez ce que Ouattara a fait ici. Voilà ça. Malgré la pluie. Eh les gars, regardez en bas là-bas là. Regardez en bas là-bas. C'est l'indénier qui est là. L'eau va tranquillement chez eux. Ça n'a rien à voir malgré forte pluie. Regardez. Regardez pour ça là. Regardez, les voitures sont passées en haut. Hein. Regardez. Avant là, c'était pas ça, champion. Avant, c'était pas ça. Regardez tout ça là. Eh Dieu. Oh ouais. Les gens vont. Attends. Malgré cela, les gens vont te mentir encore. Je suis venu jusqu'en bas ici. Et là, je suis jusqu'à côté de l'eau là, ici là. Je suis là. Mais s'il y a une inondation mondiale là, ça ne peut pas sortir dans le cadre où je suis arrêté là. Si c'est trop rempli ici là, ça vient où moi je suis arrêté. Ça ne peut pas aller sur le goudron là-bas, champion.
C'est Ouattara qui a fait ça. Ils ont fait ça il n'y a pas longtemps, champion. Ils n'ont même pas encore fini les travaux. Oui. Faut pas rester votre trafiqué, champion. Moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Je n'ai rien à gagner. Mais je gagne la tranquillité. Si le président Ouattara n'avait pas fait ça là, il y a combien de voitures qui allaient partir aujourd'hui? Si le président Ouattara n'avait pas fait ça là, il allait avoir plus d'embouteillages aujourd'hui quand les gens vont quitter au travail. Oui. Plus de 2 heures du temps, il pleut fort. Si tu as un parent à Abidjan, il faut le demander. Il pleut fort. Mais voilà le rond-point de l'indénier. Voilà le rond-point de l'indénier, champion. Et puis c'est toi, t'es trafiqué. Regarde le rond-point de l'indénier. Voilà plus. Regarde l'eau là. Ça passe sur le pont qui est là. Tranquillement, tranquille, les voitures passent sur le pont là. Et l'eau passe en bas. Ça passe encore sur l'autre pont ici là. L'eau passe en bas pour aller dans la lagune. Pour aller dans la lagune. Voici les voitures qui sont en haut. Voilà. Voici la voiture. Voici la voiture en haut. Je suis venu en bas. Et là, je suis. Regarde les voitures. Regarde les voitures en haut là-bas, champion. Aïe, mon broufflet sans fait. Aïe, mon broufflet, on met 10 000 ans quand on est à Yoro là. Aïe, mon broufflet, pont sans fait. Aïe, mon broufflet. Aïe, mon broufflet sans fait. Pont sans fait. Aïe, mon broufflet, aïe, mon broufflet. Mon broufflet, t'as raté. Mon broufflet, timinate. Regarde les voitures sont passées. Regarde les voitures sont passées. Zéro inondation. Voici l'eau en bas ici. Voilà. Voilà l'eau de l'indénier que tu parles de ça là. Voilà ça en bas ici. Voilà ça en bas ici. Ado, c'est un monument. Ado, c'est un chef. Respectez-le. Ado, il se soucie des Ivoiriens. Ado, il se soucie de la population. Ado, c'est la population qui a une priorité pour lui. Ado a toujours pensé à nous. C'est pourquoi il fait tout ça là. Sinon, s'il pleut d'une manière, il peut prendre hélico pour descendre chez lui à la maison. S'il pleut d'une manière, il peut prendre hélico pour descendre chez lui à la maison. Oui! Et puis il va dire non, il s'en fout. Si vous voulez, l'eau n'est qu'à porter avec vos voitures. Mais Ado dit non. J'ai l'amour de ma population. J'ai l'amour des Ivoiriens. J'ai un sang qui coule dans mes veines. Je suis sincère, je suis positif. Il faut que je pense à la population. C'est pourquoi aujourd'hui tu es là parti chez toi à la maison tranquillement malgré il a plu. Est-ce que les voitures qui sont en haut là, c'est la voiture RHDP? Est-ce que les voitures qui sont là passées là, c'est la voiture pro Alassane Ouattara? Est-ce que ceux qui sont là partis là, c'est la voiture pro Alassane Ouattara? Est-ce que c'est la voiture RHDP, champion? Qui n'a qu'à venir, toi, te dit quoi encore? Et puis toi, tu vas suivre la personne. Les voitures qui sont allées tranquillement chez eux, est-ce que c'est la voiture RHDP? Est-ce que c'est la voiture Djoula? Est-ce que c'est la voiture musulmane? Est-ce que c'est la voiture nordiste? C'est les Ivoiriens qui vont chez eux à la maison tranquillement. Voilà ça. Voilà les preuves. Voilà pourquoi il faut respecter ce grand bâtisseur. Voilà pourquoi il faut respecter le président Ouattara. Oui, voilà ce que le président Ouattara a fait comme merveille ici. Tu n'allais pas connaître ça hier. Il fallait qu'il pleuve pour que tu puisses savoir que non, il y a eu un para qui a été fait ici. Regardez comment l'eau est fort. Il dit tout haut d'Abidjan passe ici. Tout haut d'Abidjan passe ici. Tout haut d'Abidjan passe ici. Mais voilà la stratégie que le président Ouattara a mis en place. Voilà l'eau là, il y a m'approché. Il n'y a pas de crocodile dedans. Hein. Voilà, il n'y a pas trop m'approché quoi. Voilà l'eau là. Aïe, Afflé. Aïe, Dinon, Afflé. Afflé, t'as là, dans Chamamba. Voilà l'eau là qui est là partie en tas. Eric, ça va en tas. Qui t'a amusé, l'eau là va être toi en même temps. Voilà, voilà. Point qui est là, là c'est Ouattara qui a fait. Voilà ça. Ouais. Ado, c'est un monument. Ouais. Je croyais pas. Il faut que je vienne voir clair dedans. Il faut que je vienne voir ce qui se passe. Et je suis venu pour vous montrer. Les gars, allez-y vous enrôler. C'est mieux pour vous. Les gars, priez Dieu pour la santé de ce monsieur. Priez Dieu pour l'longévité de ce monsieur. Parce que le monsieur est le peuple à Côte d'Ivoire. Ce monsieur est le peuple des Ivoiriens. Personne ne peut nous embrouiller. Personne ne peut nous trafiquer. Personne ne peut nous trafiquer. Parce que il se soucie de nous. Le président Ouattara se soucie de nous. Comment un coin qui était délaissé? Comment ça? Le président Ouattara peut faire ça pour nous. Voici, là, il pleut. Sangiba le Kanaya. Sangiba. Ou le Kana, Bidjan Konaya. En nous, là, il dit, tu es dans la voiture, mais tu ne vois pas devant. Et je viens ici, je viens trouver que non, inondation là, ça n'existe pas. Ah, le président Ouattara, inondation n'existe plus à l'indénier. Tu peux croire ça? Tu peux croire ça, mon frère? Inondation n'existe plus ici. Les gens sont là partis chez eux à la maison tranquillement. Il n'y a plus d'inondation. Il n'y a plus d'inondation. Voilà.
L'eau passe en bas ici maintenant. Il n'y a plus d'inondation à l'indénier. Il faut prier pour lui. Il faut le respecter. Les gens vont nous dire que non, c'est son devoir. C'est son devoir où ça? Il y a des présidents qui ont passé. Si c'est l'indénier, c'est aujourd'hui, c'est là. Est-ce que l'indénier existe aujourd'hui? L'indénier est là, tu sais, je sais. C'est son devoir. Il y a des présidents qui ont passé ici. C'était pas aussi leur devoir. Ceux qui ont passé ici hier, là, c'était pas leur devoir de travailler ici. Hein? Ceux qui ont été présidents ici 10 ans, 7 ans, 1 an là, ils n'avaient pas le droit de faire ici. L'indénier là, c'est aujourd'hui, c'est créé. L'indénier est là, tu sais, je sais. Tu sais combien de personnes l'indénier a tué. Tu sais combien de voitures l'indénier a importé. Il fallait le président Ouattara pour faire le concret ici. Il fallait le président Ouattara pour te soulager, me soulager. Toi, tu vas me dire quoi? Et aujourd'hui, les gens vont accepter de te manipuler, tu vas suivre ça. Les gens vont te trafiquer, tu vas suivre ça. Pendant que le gars se tue pour tes parents. Tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es là, tu manipules les gens à Abidjan ici. Au bout de là, les gens passent ici jour et nuit. Même si toi-même, tu ne vas pas mourir là, tes parents peuvent mourir ici. Et toi-même, tu peux être en deuil. Eh tiens, il n'y a plus qu'à venir, je ne peux pas croire. Et les voitures sont là passées. Voilà. Regardez l'eau là. Regardez l'eau là. Regardez l'eau là. Même s'il pleut, jusqu'à demain matin, il ne peut pas avoir inondation encore. La famille, voilà ça. Il ne peut pas avoir inondation. Regarde les voitures qui sont là passées en haut. Et là, eh Dieu, les voitures passent dans les différents coins pour aller. Les gars, les voitures passent. Bref, la famille, vous avez écouté Ado Mouton. Parce que lui, c'est surnommé Ado Mouton. Voilà, chacun a son nom sur les réseaux sociaux. Si tu veux, tu peux t'appeler comme tu veux. Lui, c'est surnommé Ado Mouton. Voici le bon boulot. Lui, c'est un tasman, mais quand même, il fait cette lutte-là pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne et puis pour montrer au monde entier que lui, c'est un woyoman, c'est un tasman. Mais quand il voit la vérité, il vient filmer et il vient montrer au monde entier que papa Ado, là, il travaille. Il y a les coins parce que faut être un woyoman, faut être un tasman, man. Pour mieux connaître même la Côte d'Ivoire ou pour mieux connaître Abidjan, il y a les coins même que nous-mêmes on ne connaît pas. Mais c'est ceux-là comme ça qui peuvent aller là-bas et qui peuvent filmer pour nous montrer. La famille, ce que vous voyez là, avant, et ce que vous avez vu avant, on ne pouvait pas passer là. Quand il y a dit, si plus commence en même temps, là, tout s'arrête. Mais aujourd'hui, regardez, c'est ce monsieur-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à l'enlever. C'est ce monsieur-là, vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se jouer aux bêtes pour l'enlever au pouvoir. Nos parents, nos grands-parents ont regretté. Ils ont regretté Félix Faubourgny. Nous, on ne veut pas regretter Papa Ado. Parce que ce qui Papa Ado est en train de faire, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants. Ça, c'est pour eux, moi, je pense. C'est pour eux aussi. Je suis là pour dire, je vais éclairer la vérité. Si l'antenne, je vais éclairer la vérité. Si les réseaux sociaux, il ne faudrait pas que l'Ivoirien... Un jeune Ivoirien tombe dans l'embuscade. Parce que nous, comme cela, on a eu plus de 9 ans si notre vie est gâtée comme ça. Babou a fait 10 ans. Bédi a fait 9 ans ou 8 ans. Imaginez-vous. Si Bédi a fait 8 ans. 8 ans et demi. Guéhi est venu compléter, ça fait 9 ans. Même si Bédi a fait 9 ans et Guéhi est venu compléter, ça fait 10 ans. Donc ça fait 20 ans si nos vies. Mais aujourd'hui, on a eu un monsieur qui est en train de travailler pour nous. Ça fait 12 ans. Nous avons connu la guerre. Nous avons connu deux présidents qui n'ont rien foutu au pays. Qui n'ont rien fait comme réalisation qu'on peut prendre l'exemple. Jamais. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je vais citer des choses. Basilique, regardez, c'est grâce à Félix Faubourgny. Regardez l'aéroport en Côte d'Ivoire. Les aéroports qui sont là-bas, là, c'est grâce à Félix Faubourgny. Pour Toulouse, pour Boaké, pour choses à part Toulouse, c'est à Daloa, pour Daloa, pour Boaké, pour Korogo, dans les grandes villes là, tout ce qui est là-bas là, les aéroports là, là c'est Félix Faubourgny qui a fait ça. Et je ne comprenais moi très bien ce que je dis. Regardez les deux ponts, ce qui tu relie, choses comment dirais-je, plateau, Trècheville, Koumassi, les trucs comme cela. Ça, c'est Félix Faubourgny qui a fait ça. Regardez, c'est qui est au plateau. À cause de ça, d'autres me quittent là pour aller filmer les étages, les immeubles, tout ça là.
Tout ça là, c'est Félix Feboigny qui a fait. Il y a des choses même, on oublie même ce que Félix Feboigny a fait en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on dit, c'est le respect et le père fondateur. C'est lui. Quand lui, c'est son exemple qui est là. Et regardez la voix. Tout était goudronné. Il faisait des vraiment, il faisait des trucs incroyables. Mais Bédi est venu là. Bédi a fait quoi? Comme l'exemple. Ivoirien, Ivoirien. Écoutez-moi, bien avant que je vais rentrer dans cette histoire de parti indigné où mon frère Ado Mouton a filmé là. Je vais vous expliquer quelque chose. Bédi est venu demander aux partisans de Bédi, du PDCI. Bédi a fait quoi? C'est combien d'années qu'il a fait? Bédi a fait quoi au pouvoir? Montrez-nous ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Qu'on peut dire, voici l'exemple, voici ce que Bédi a fait. Zéro. Gbagbo au moins cela. Lui, pour lui, exemple là, c'est trop. Exemple de Gbagbo même, lui, pour lui, c'est trop. Quand tu veux parler de la guerre, on dit c'est Gbagbo. Combien de mille morts, Gbagbo? Ça étant de Gbagbo. Déchets toxiques, c'est Gbagbo. La paresse, donner la paresse aux jeunes, c'est Gbagbo. Encore critiquer, c'est Gbagbo. Oui, Gbagbo dit lui là. Lui là, ça me fait rire. Gbagbo dit lui, il a fait la voie. Quitter Abidjan, tu vas aller où ça? 100 km en 10 ans. Lui, il a goudronné 100 km en 10 ans. Là, c'est Gbagbo qui a fait ça. On quitte encore. Gbagbo a fait. Vous voyez, l'Assemblée des députés là, à Yamoussoukro, c'est qui il a fait là-bas? Député. À part ça, le reste est négatif. Lui, au moins, ça, on peut dire, maison des députés, les trucs des députés là, on peut dire, bon, Gbagbo a fait. Mais Bédi a fait quoi? Mais regardez ce qu'Alassane est en train de faire. On avait deux ponts. Oui, on avait deux ponts. Regardez, troisième, quatrième, cinquième. Très bientôt, sixième va pousser sur la terre. C'est papa d'où tu fais ça. Lui chante, nous on n'a qu'à danser. On n'a qu'à le suivre. Arrêtez de se lamenter pour dire non que oui, l'Ivoirien a faim, l'acheter de la vie. Mon frère, tu vas manger là ou tu vas finir de manger là. Nous les Africains, on se connaît entre nous-mêmes. Quand on est rassasié jusqu'à il n'y a plus place là. On devient plus bête même que quand tu as faim. On se connaît entre nous. Arrêtez de sous-estimer Papa Ado. Arrêtez de vilipender Papa Ado. Arrêtez de raconter de n'importe quoi contre Papa Ado. Ceux qui vous galvanisent, ceux qui vous encouragent de faire des bêtises, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention. Eux me connaissent la réalité. C'est qui nous, on filme, c'est qui on monte sur les réseaux sociaux. Les gars font exprès de fermer les yeux, de passer. Sinon, la réalité, là, quand nous, on les montre, là, les gars ne veulent pas véhiculer ce message de vérité là sur les pages. Sinon, vous allez vous décourager de cela. Mes chers frères, mes chers parents, vous êtes ma famille là. Partagez mes vidéos dans les groupes pour qu'on puisse aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Parce que si vous ne partagez pas là, il y a des gens qui vont, ils sont ignorants. Ils vont écouter les menteurs et ils vont croire aux ceux qui mentent là. Partagez mes vidéos au maximum pour que ça puisse rentrer dans les oreilles et ils vont se ressaisir. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la vérité, mais eux, ils ne savent pas quoi, où ils vont trouver la vérité. Mais nous, on est là pour éclairer la vérité. L'indigné, moi, je connais l'indigné. Est-ce que tu... Il dit voiture. Et puis quand il pleut même, et puis il y a vent même là. Oh, mais si tu ne fais pas attention, même s'il y a bus même, tu passes là même, ça peut projeter bus même. Mais aujourd'hui, regardez, il pleut même là. Les gars roulent tranquillement. Les gars sont tranquilles. C'est ce monsieur. Parce que quoi? Vous voulez que Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir? Vous voulez que Soro n'a qu'à venir au pouvoir? Vous voulez que Bédié n'a qu'à venir au pouvoir? Ah! Mes frères et sœurs, on dit on ne change pas vite l'équipe qui gagne. On ne change pas vite l'équipe qui gagne. Actuellement, on est Ado en train de faire quelque chose de bon. Ado en train de travailler. Regardez, on dit la vie est chère, l'acheter de la vie. Regardez comme c'est monde entier. Il dit ça touche monde entier. C'est pas pour dire non que c'est en Côte d'Ivoire seulement la vie est chère. C'est partout. Mais malgré ça, Papa doit faire communiquer. Et il a diminué. Il dit diminuer tel truc, diminuer tel aliment, diminuer tel truc, diminuer tel truc. Et avec ça, le premier ministre, Patrick, Papa Patrick Hachi, mes respects, il allait dans les marchés.
Et il allait se renseigner et il allait. Vous avez vu? Vous avez vu vous-même? Mais à quel moment? Je ne sais pas quoi faire. Et on va tirer vos oreilles, ça va rentrer. Vous avez vu? Yeah. Est-ce qu'il y a image? Non. Ne dites pas, parce que si les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont dire, oh, est-ce que vous savez, c'est à cause de nous, oui, ils ont envoyé la police dans les rues, des choses à BAE, etc., etc. Chaque année, chaque fête d'année en Côte d'Ivoire, même temps des babous, même chaque fête d'année en Côte d'Ivoire, il y a toujours, on met des gens dans les rues, des cargos par-ci, par-là. Parce que quand on rentre dans le mois de décembre seulement, là, novembre, fin novembre, jusqu'en décembre, jusqu'en janvier, là, le pays, il dit, le monde entier bouge très fort. Il y a toujours des agressions, il y a toujours des braquages, il y a toujours, etc., etc. Même aujourd'hui, où je vous parle, il y a eu braquage. Il y a eu braquage aujourd'hui. Je vais faire une vidéo pour ça. Donc, quand on vous parle de quelque chose, s'il vous plaît, ayez le courage d'écouter des personnes qui vous disent la vérité. Arrêtez d'écouter des gens qui crient sur les réseaux sociaux, qui sont dans les voitures, qui sont en Europe, qui vous motivent ou qui vous galvanisent à faire du mal aux Ivoiriens. Toi-même, tu es un Ivoirien. Fais du mal à ton frère. Toi, tu trouves ça normal? Toi, tu trouves ça normal? À cause de quelqu'un même que tu supportes, il va venir au pouvoir là, mais il ne va rien faire pour toi dans ta famille. Rien. Ou soit ils vont t'apprendre à danser, ou soit ils vont t'apprendre à boire le vin. Ce n'est pas tout le monde qui consomme le vin. Hein. Ce n'est pas tout le monde aussi qui consomme l'alcool. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui savent danser. Nous, on veut le travaillement. On veut quelqu'un qui veut travailler. On veut quelqu'un qui veut développer. On veut quelqu'un qui amène la sécurité dans un pays. Et cette personne en veut. Mes chers frères, mes chers parents, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Les élections 2025 qui approchent là, ayez le courage. Ayez le courage et discernement pour que on voit la réalité qui se passe sur la toile et qui se passe même en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien est en train de travailler. Il y a des gens même qui ne sont pas ivoiriens, qui sont fiers de la Côte d'Ivoire, qui sont fiers de Papa Addo. D'autres même disent, hey, si on pouvait avoir Papa Addo comme président, c'était bon. Hein. C'est parce que nous, on a eu un bon président comme ça. On l'ignore, on est là pour le vilipender. Comment on peut... Vous voulez que les gens n'ont qu'à nous respecter. Vous voulez que les gens n'ont qu'à respecter nos dirigeants. Si nous-mêmes, on a la base même de rencontrer des bêtises, d'insulter nos dirigeants, comment vous voulez que les gens n'ont qu'à nous respecter? Arrêtez ça quand même. Ivoirien, on dit, c'est deux mains qui se lavent. Oui, c'est deux mains qui se lavent. C'est pas un politicien, c'est pas un vidomane qui va te motiver. Et tu vas faire du mal ou tu vas aller dans les rues. Vous avez vu, hier ça n'a pas marché. On est là. Restez. Ce que vous avez fait là, vous avez bien fait. La prochaine fois, ceux qui vont vous galvaniser là, eux-mêmes vont se décourager. Ils vont dire, ah là, le 25 qu'on a fait, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti. Et on fait encore, il n'y a pas d'autre. Si vous faites ça pendant 3 ou 4 fois là, vous allez voir. Vous allez voir, il y a des gens qui ne vont pas. Eux-mêmes, ils vont se décourager de tirer vos oreilles. Mes chers frères, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Je vous demande pardon parce que ça doit arriver loin. Trop, c'est trop. Je vous dis à très bientôt.